Tout à fait. Donc, ça a été décidé quasiment au jour le jour. Les parents l'ont appris comme ça. Donc, selon des critères qui n'avaient pas été définis, des enfants sont partis à la rentrée de septembre, suivre leur scolarité à Bourray et d'autres. Voilà. Et il n'y a aucun critère de défini, ni par les instituteurs, qui n'avaient aucune réponse à donner aux parents qui posaient des questions, ni par les élus, ni par l'inspection académique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. C'est très important. Parce que au jour d'aujourd'hui, alors que les services publics sont réellement en danger dans les communes, dans les petits villages, dans les villages, où les écoles sont encore la possibilité d'avoir un lien social très très fort et d'avoir la possibilité dans un village d'avoir une école, ça veut dire avoir de la jeunesse, avoir des parents, avoir déjà une catégorie de sociale de population qui n'est pas une catégorie de population qui est uniquement celle de retraités. C'est très très important dans un village. Donc la commune nouvelle, avec faire en sorte qu'on ait dilué plusieurs entités dans une seule, et ben ça supprime encore ce sentiment de vivre et de bien vivre dans un village, et ça éloigne le citoyen de l'élément politique noble au sens du terme, c'est-à-dire pouvoir interpeller l'élu quand il en a besoin.